Chers amis, chers confrères, c'est un grand plaisir de se retrouver, même en distanciel, dans ce séminaire qu'on appellera pour le moment des webinaires, pour garder le contact avec l'ensemble des adhérents de la Société marocaine de chirurgie, de la Société marocaine de chirurgie digestive, dans ces temps combien difficiles. J'espère que tout le monde va bien et se porte bien. Et je voudrais vous dire que la Société marocaine de chirurgie, la Société marocaine de chirurgie digestive, comme la pandémie nous a obligés d'annuler notre congrès de 2020, le congrès de 2021, nous projetons le faire en octobre, Inch'Allah, 2021, si la pandémie le permet et si les autorités de tutelle nous donnent les autorisations. En attendant, et pour garder le contact, on avait décidé de faire une série de webinaires qui répondent à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer vos attentes pour qu'on puisse organiser des séminaires et répondre à vos attentes. Les séminaires que nous projetons de faire en attendant de voir plus clair et en attendant le mois d'octobre, ce séminaire sur le cancer du côlon, je vais revenir pour vous dire un peu de l'intérêt. Le prochain séminaire, ça va sur la pathologie hépato-biliaire. Un autre séminaire sur la chirurgie de la paroi. Un séminaire sur la chirurgie bariatrique. Et on fera également un séminaire sur le cancer du pancréas et un séminaire sur le cancer du rectum. Donc, c'est ce que nous projetons et on va essayer de tenir le rythme d'un webinaire mensuel. Le webinaire d'aujourd'hui concerne le cancer du côlon droit. On l'a choisi parce qu'il y a beaucoup d'actualités dans la prise en charge de ce cancer du côlon droit. Actualité concernant la technique chirurgicale, et aujourd'hui on parle de la CME, mesocolic excision, ou bien on parlera également d'un curage étendu. Curage vasculaire central. On va voir ce que vont nous dire les conférenciers, l'intérêt de cette façon de faire en chirurgie, sachant que le cancer du côlon droit était éminemment chirurgical d'emblée. Aujourd'hui, on commence à parler de l'intérêt d'une chimiothérapie néo-adjuvante. Et donc, c'est pourquoi on a une communication qui va essayer d'axer sur la chimiothérapie dans le cancer du côlon droit. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui a ce changement. Certes, pas beaucoup d'écoles l'ont adopté jusqu'à maintenant. C'est comme le cas de mésocolon, de mésorectum. Et donc, ça va venir sans doute. Et l'impact, l'intérêt de cette façon de faire sera débattu aujourd'hui avec des orateurs, d'éminents orateurs. Et j'appelle Yusley Gouli, qui est de Tanger, qui est un professeur d'anatomie et qui est chirurgien au CHU de Tanger, qui va nous parler de l'anatomie du côlon droit revisité à l'ère de CME. Et donc, il aura la tâche de nous parler d'anatomie, d'embryologie, et donc, on va l'écouter bientôt. Après, c'est un autre ami, Philippe Porter, de Tournai, qui a accompagné un peu l'évolution de la chirurgie marocaine depuis plus de 17 ans qu'il y a la collaboration avec dans un premier temps le BGES, mais après c'était une collaboration presque personnalisée et donc ils n'ont jamais manqué nos congrès et à chaque fois qu'on les appelle ils sont là pour nous épauler et donc très grand orateur, très grand pédagogue Philippe Otters. Donc, il va nous parler du concept et intérêt de la CME dans la prise en charge du cancer du côlon droit. Professeur Younes Berkali, qui est professeur de chirurgie au CHU de Rabat, va nous présenter et nous parler de comment on fait cette chirurgie en respectant les concepts de CME. Et à la fin, c'est professeur Bel Barakat, qui est chef de service d'oncologie au CHU de Marrakech, qui va nous parler des actualités du traitement médical du cancer du côlon droit non métastatique. Et donc, je vous souhaite beaucoup de un webinaire plein
d'action. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et les conférenciers vont après prendre la parole pour vous répondre. Et donc, on va modérer ce webinaire moi-même et professeur Fatem Zahra Ben Sardi. Donc, Fatem Zahra, tu m'entends? Oui, je vous entends. Eh bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on lance, je pense, on est dans les temps. Donc, on va commencer par appeler Younsia Gouri. Tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Donc, Mohamed, sois le bienvenu. Donc, à toi la parole pour nous entretenir sur l'anatomie du côlon droit revisité à l'ère de la CME. Alors, je voudrais tout d'abord remercier, donc, bonjour à tout le monde, bonjour à l'assistance et bonjour aux confrères qui nous suivent à distance. Et je voudrais commencer par remercier la Société marocaine de chirurgie de nous avoir associés à ce webinaire. Et on va parler, donc, comme vous l'avez très bien introduit, professeur, de l'anatomie du côlon droit à l'ère de l'exérèse complète du mésocôlon. Donc, le concept de l'exérèse complète du mésocôlon, c'est un concept qui est assez récent. Il a vu le jour grâce aux travaux de Hohenberger en 2009. C'est lui qui a décrit cette technique chirurgicale. C'est une technique qui est difficile et dont l'expertise du chirurgien intervient directement dans la qualité de l'exérèse et aussi dans la morbidité opératoire. Et comme toute chirurgie, il faut bien sûr, pour la réussir, maîtriser les bases anatomiques, surtout pour une région qui est réputée d'avoir beaucoup de variantes anatomiques. Donc, sur le plan embryologique, le côlon droit prend origine de l'intestin primitif moyen et qui sera vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Il va être conçu à la sixième et la dixième semaine de la vie embryologique par quatre étapes. Les plus importantes sont les rotations autour de l'axe de l'artère mésentérique supérieure dans le sens antihoraire. Et la dernière étape, c'est l'allongement de cet intestin primitif moyen pour constituer et l'intestin grêle situé à gauche de l'artère mésentérique supérieure et le côlon droit qui sera constitué à droite de l'artère mésentérique supérieure et avoir la forme morphologique qu'on connaît. Ce côlon donc sera divisé selon plusieurs manières. Il y a la manière anatomique segmentaire et la division chirurgicale vasculaire qui nous intéresse en deux parties, le côlon droit et le côlon gauche selon les territoires vasculaires. Donc, ce côlon droit, donc, qui sera vascularisé par l'artère mésentérique supérieure et qui sera constitué donc du cécum et de l'appendice, du côlon ascendant, de l'angle colique droit ou de l'angle hépatique et des deux tiers droite du côlon transverse. Maintenant, sur le plan vascularisation artério-veineuse, donc comme on l'a dit, la vascularisation sera assurée par ce pédicule, le pédicule mésentérique supérieur, constitué de l'artère et de la veine mésentérique supérieure. Dans la majorité des cas, la veine mésentérique supérieure est située à droite de l'artère mésentérique supérieure. Quoique, dans 5% des cas, on peut retrouver cette disposition qu'on voit sur cette image, c'est-à-dire la veine, il pourrait être située du côté gauche de l'artère mésentérique supérieure. Concernant la vascularisation artérielle du côlon droit, il y a deux nomenclatures. Il y a la nomenclature anglo-saxonne et la nomenclature francophone.
Et dans cette présentation, on va adopter cette dernière car il nous semble la plus adaptée et c'est la nomenclature dont on a l'habitude d'utiliser. Donc, on a deux branches qui sont constantes, c'est l'artère iliocolique et l'artère colique supérieure droite. Et deux branches qui sont inconstantes, c'est l'artère colique moyenne et l'artère colique media ou l'artère colique médiane. L'artère iliocolique, il va donner quatre branches dans sa terminaison, une branche iléale. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les pièces de résection d'hémicolectomie, on prend environ les 10 derniers centimètres de la dernière anse iléale. On a une branche appendiculaire et une branche cécale antérieure et une cécale postérieure et enfin une branche colique ascendante. L'artère colique droite ou l'artère de l'angle colique droit, il prend origine en regard de la troisième portion du duodénum. Il se dirige vers le haut et vers la droite pour donner deux branches, une branche vers le côlon transverse et une branche vers le côlon ascendant. Il faut savoir que cette artère peut présenter une variante atype de division précoce et elle pourrait être absente dans 20 à 40% des cas. Et les deux dernières branches inconstantes, on a l'artère colique moyenne qui ne sera présente que dans 10% des cas et l'artère colique média qui prend origine au niveau de la face antérieure de l'artère mésentérique supérieure et qui pourrait prendre origine aussi de l'artère splénique. Cette artère-là, il va traverser le mésocolon transverse et c'est elle qui va déterminer quand il est présente la limite vasculaire entre le côlon droit et le côlon gauche. Concernant maintenant la vascularisation veineuse, les veines vont suivre les axes artériels et en les croisant par en avant. Donc, ces veines vont se jeter à droite de la veine mésentérique supérieure qui va s'anastomoser avec le transsplénomésaraïque pour constituer la veine porte. Ce qui est important à connaître sur cette vascularisation veineuse, c'est surtout cette veine-là, c'est la veine colique supérieure droite qui va constituer avec deux autres branches le tronc gastrocolique de Henle qui sera présent dans environ 80% des cas et il sera tripodal. Et il sera constitué d'une branche de la gastroépiploïque droite, une branche de la gastro de la duodénopancréatique antéro-supérieure et bien sûr de la veine colique droite. Cette région de dissection, elle est réputée d'être la région la plus dangereuse et la plus difficile à disséquer car c'est une région qui est riche en vaisseaux et c'est à ce niveau qu'il y a le plus de plaies vasculaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle cette région le bleeding point. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque important de plaies vasculaires à ce niveau. Donc, en chirurgie, on est plus minutieux quand on dissèque cette région-là. En plus des plaies vasculaires, on peut avoir des plaies duodénales et des plaies pancréatiques. Et il faut signaler que l'hémostase à ce niveau, il est vraiment difficile. Et pour pallier à ce problème-là, il est conseillé de faire peu de tension excessive sur le mésocolon transverse. Pour les variantes anatomiques de cette veine colique supérieure droite, elles sont diverses, elles sont multiples en fonction des publications. Donc, on peut rencontrer, comme vous voyez ici, une multitude de variantes anatomiques. Mais ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines situations, il n'y a pas qu'une seule veine colique droite, mais on peut avoir deux veines coliques droites. Et ces veines-là peuvent se jeter, comme on a dit, pour constituer le tronc gastrocolique de Henle, comme ils peuvent se terminer directement au niveau de la veine mésentérique supérieure. Donc, à ce niveau, il faut s'attendre à toutes les variantes anatomiques imaginables et possibles.
Concernant donc maintenant le pédicule héliocolique, les variantes de ce pédicule, donc il est assez constant et on considère ce pédicule héliocolique comme on le voit sur cette image, donc le repère anatomique le plus important dans cette chirurgie. Car grâce à ce pédicule, qu'on peut localiser et repérer la veine mésentérique supérieure. Donc c'est un temps opératoire très important. Et il est assez constant et il faut savoir qu'il y a des variantes anatomiques, surtout concernant le croisement de l'artère iliocolique avec la veine mésentérique supérieure. Comme dans ce papier-là, ce croisement antérieur ou postérieur par rapport à la veine mésentérique supérieure, ils sont équivalents, mais on a le sentiment que le croisement postérieur de l'artère iliocolique pour la veine mésentérique supérieure, elle est un peu plus fréquente. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a cette variante où l'artère iliocolique croise en avant la veine mésentérique supérieure. Donc, quand on va disséquer la partie antérieure de cette veine, il faut faire attention à ne pas traumatiser donc cette artère. Maintenant, concernant les variantes de l'artère colique droite, la même chose, donc il peut croiser en avant la veine ou en arrière. Mais dans ce papier-là, ce qui est intéressant, c'est quand on a un croisement antérieur de l'artère iliocolique, il faut s'attendre dans plus de 20% des cas à un croisement antérieur aussi de l'artère colique droite. Maintenant, concernant l'innervation, elle est assurée par le plexus mésentérique supérieur, dont le traumatisme peut aboutir à une diarrhée motrice, chose qui n'est pas très bien documentée dans les publications, dans la littérature, mais il pourrait être associé d'une complication fonctionnelle à type de diarrhée motrice. Maintenant, pour le drainage lymphatique, il va être assuré par cinq groupes. Il y a le groupe épicolique, le groupe paracolique. Donc, en emportant ces deux groupes, c'est le curage du type D1. Le curage du type D2, c'est le groupe intermédiaire et le groupe donc dit principal situé en avant et le long de l'artère mésentérique supérieure, c'est le curage du type D3. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette technique chirurgicale d'exérèse complète du mésocôlon. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est la classification japonaise. Donc, les Japonais, ils ont donné un numéro à tous les aires ganglionnaires. Et pour eux, ils décrivent aussi un curage du type D4 qui intéresse donc les relais ganglionnaires situés en pré-aortico-aortico-cave. Donc, comme on voit ici, dans la chirurgie classique, notre plan de dissection sera à droite de la veine mésentérique supérieure. Pour l'exérèse complète du mésocôlon, ce plan de dissection il est situé en avant du pédicule mésentérique supérieur à la frontière entre le mésentère du côté gauche et le mésocôlon du côté droit. Et cette trajectoire de dissection, ce qui complique encore plus cette chirurgie, c'est qu'elle doit traverser les différents plans du mésocôlon, c'est-à-dire et le mésocôlon transverse et le mésogastre, tel un livre à trois pages. C'est une difficulté supplémentaire dans cette chirurgie. Maintenant, concernant le mésocôlon, donc il y a un papier qui est très intéressant, publié en 2016 dans le Lancet de gastro-entérologie, et qui dit que donc ce mésentère, il faut le considérer comme une entité anatomique unique, c'est-à-dire comme un organe qui fait une sorte de continuité depuis le duodénum jusqu'au rectum, c'est-à-dire que le mésentère, le mésocôlon et le mésorectum sont considérés comme une même entité anatomique et il faut les considérer comme un organe, comme les autres organes donc, du corps humain.
Et maintenant, on vient aux bases anatomiques du mésocôlon. Les bases anatomiques sont basées par analogie à l'exérèse totale du mésorectum, c'est-à-dire en passant en extra-facial, en respectant cette aire cellulo-graisseuse qui entoure le rectum grâce aux travaux de Hild, qui était notion qui était méconnue jusqu'à 1982. Et c'est ce qui a inspiré Hohenberger pour publier, pour décrire cette technique chirurgicale. C'est un article qui est apparu en 2009, quoique il y a une autre publication, elle, qui remonte à 2008, qui a, par analogie, classé et répertorié les pièces de résection du côlon droit en trois groupes, comme pour le rectum. Des pièces de résection avec exérèse incomplète de mésocôlon jusqu'à l'exérèse complète de mésocôlon. Et ce papier-là, ce qui est surprenant, c'est qu'il dit que presque le un quart des pièces de résection sont incomplètes, avec des plaies au niveau du mésocôlon, avec même une mise à nu de la musculeuse colique. C'est quand même beaucoup, un quart pour une chirurgie qui est fréquente. Deuxième constat, c'est que entre les différents types d'exérèse, il y a une différence significative en matière de survie globale à 5 ans qui est estimée à 15%. Donc, il y a un bénéfice important dans cette technique chirurgicale. Donc, on parle maintenant du mésocôlon. Le mésocôlon, c'est quoi? C'est une lame porte-vaisseau, comme on voit ici sur ce schéma, qui est constituée de deux feuillets, un feuillet antérieur représenté par le péritoine viscéral et un feuillet postérieur. Et puis, comme on le voit très bien sur ce travail qui a étudié de façon microscopique ce mésocôlon, donc on peut discerner facilement les différents feuillets. Et entre le feuillet postérieur et le péritoine pariétal postérieur et le rétropéritoine, on trouve cet espace-là qui est occupé par ce fascia d'accolement qui est le fascia de Todd. C'est en quelque sorte notre plan de dissection, comme on voit aussi sur ce schéma-là. Ça, c'est le feuillet antérieur, feuillet postérieur, le mésocôlon, ça, c'est le rétropéritoine, et puis le fascia d'accolement, qui est le fascia de Todd, qui constitue notre plan de dissection. Donc, en respectant ce plan-là, ça nous permet à la fois de faire une exérèse complète du mésocôlon en préservant les différents feuillets du mésocôlon, c'est-à-dire on le conserve d'une part, et d'autre part, on va respecter les organes qui entrent en rapport avec la face postérieure du mésocôlon et du côlon droit, qui sont l'uretère droit, le rein droit avec sa fascia prérénale et le bloc duodéno pancréatique. Pour qu'à la fin, on arrive à un résultat qui ressemble à ceci, c'est-à-dire une mise à nu complète de la veine mésentérique supérieure, de l'artère mésentérique supérieure et une pièce anatomique qui ressemble à ceci, avec un mésocôlon large, avec conservation de ses enveloppes et bien sûr sans effraction tumorale. Donc, en conclusion, la technique d'exérèse complète du mésocôlon, c'est une technique qui reste jusqu'à maintenant controversée de par sa morbidité. C'est une technique qui est difficile, surtout dans cette région où il y a beaucoup de variantes anatomiques, donc il faut vraiment s'attendre à tout. Le rôle du chirurgien dans l'expertise du chirurgien, il a un rôle qui intervient directement dans la qualité de l'exérèse et aussi dans la morbidité. C'est une technique où peut-être il faut anticiper les situations de difficiles, notamment chez les sujets obèses qui ont un mésocôlon épais. Et dans les situations où on a une tumeur qui est volumineuse et qui est rétractile, qui va nous empêcher en quelque sorte à disséquer et à avoir nos repères anatomiques, et pourquoi pas réaliser un bilan préopératoire le plus précis possible, notamment
par un angioscanner et pourquoi pas des images de reconstruction en trois dimensions. Et je vous remercie. Merci, c'est Agouré, pour cette présentation claire qui a montré un peu les bases anatomiques du curage ganglionnaire, de CME, et bien, et surtout ces différents groupes ganglionnaires, détroits, et on a remarqué que du côté droit, le détroit dépasse de loin la CME, et du côté gauche, c'est juste D2. Qui est le curage des deux, qui correspond au curage ACME. Est-ce qu'il y a des questions? Fatem Zahra, Ben Sardi. Oui, bonjour. Oui, je tiens à remercier professeur Goury pour la qualité de sa présentation. Donc, il a bien parlé de la nouveauté de l'anatomie du côlon droit à l'ère de la CME. Donc, je le remercie pour la qualité de cette Merci à présentation. vous. Voilà. Oui, effectivement, comme vous avez dit, professeur Harora, donc l'intérêt du curage ganglionnaire est aussi d'emporter l'enveloppe péritonéale viscérale du côlon. C'est un intérêt pour c'est un facteur pronostique, si vous voulez, de la qualité de la chirurgie en matière de côlon droit. Et donc ça permet d'éviter, bien sûr, on va voir par la suite probablement d'éviter la dissémination de cellules cancéreuses en intrapéritonéal lors de la dissection, et aussi d'avoir une bonne survie à long terme, et aussi d'éviter les récidives locorégionaux. Voilà, donc et je voulais ajouter juste pour la qualité de la pièce, si vous voulez, ou bien du spécimen chirurgical, normalement, il faut l'avoir de façon rectangulaire pour prédire de la qualité de la résection du côlon droit. Donc, je pense, professeur Hrora, on enchaîne. Une question du professeur Reiss. Je ne sais pas s'il faut la poser maintenant ou peut-être la poser après les autres exposés. C'est une question finalement par rapport à la technique. On a bien vu qu'au niveau il fallait aller pratiquement racler tout ce qui se passe en avant de l'artère, où il faut se limiter sur la face antérieure de la veine, en sachant que si on va sur l'artère, on se met sur les risques d'éventuels signes cliniques de traumatisme des plexus nerveux pré-mésentériques supérieurs. Je pense que c'est une question qui va peut-être venir, dont la réponse va venir peut-être après sur les autres présentations. Peut-être, on se pose cette question, on n'aura peut-être pas la réponse, on aura peut-être cette réponse dans les futures présentations. Je pense. Je pense que je peux dire un petit mot sur ça. C'est juste que cette exérèse complète du mésocôlon, c'est encore un sujet de controverse, c'est un sujet qui est encore débattu. C'est un peu selon les équipes. Il y en a ceux qui vont réséquer en avant de la veine mésentérique supérieure, et il y en a ceux qui vont faire un curage plus extensif, c'est-à-dire ils vont aller jusqu'à la face antérieure de l'artère mésentérique supérieure. Ça dépend des équipes, mais jusqu'à maintenant, je pense que la plupart, ils vont disséquer seulement en avant de la veine, et il y en a certains qui proposent même faire une sorte de picking sur des ganglions en avant de l'artère mésentérique supérieure, qui, s'ils sont positifs, ils les considèrent comme métastatiques et non pas un staging du M. Et ça relève plus du M à ce niveau. En tout cas, c'est encore en fonction des équipes, d'après ce que je sais. Docteur Agouri, il y a des questions. Donc, en attendant d'avoir le contact avec le professeur Philippe Poters, il y a une question du professeur Bouchentchouf qui voudrait savoir, pouvez-vous nous éclairer sur la limite du curage ganglionnaire vers le haut, derrière le pancréas? Il y aura une deuxième question. Donc, je pense que ces questions, on va répondre. Si tu as une idée pour la réponse, tant mieux. Sinon, on va attendre la suite des événements. Et donc, Al-Murshid Al-Islam de Tunis, que je salue ici, je salue toute l'association tunisienne de chirurgie.
Donc, pour lui, dans sa pratique au quotidien, il n'arrive pas à voir la supériorité de la CME sur une résection classique, peut-être sur l'avantage de la stratification, ça veut dire le nombre de ganglions qu'on va sortir. Mais je pense qu'il y a également, on va voir l'intérêt, donc pour ne pas entrer dans le sujet du Philippe Hunter, on laissera la réponse à cette question après, mais si jamais il y a quelqu'un qui a un bout de réponse. Alors, juste pour l'étendue de l'exérèse du mésocolon, il y a des études, comme l'étude que j'ai montrée, donc qui a montré clairement une supériorité par rapport aux autres types de curage, avec une survie globale à 5 ans qui est quand même de 15%. Donc, il y a un intérêt, mais c'est toujours, comme toujours, c'est une balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que c'est une technique qui est difficile et qui comporte une morbidité qui est élevée. Hein. On voit qu'il y a un risque de saignement, de plaie duodénale, plaie pancréatique, donc qui comporte une morbidité qui est un peu élevée, mais sur le bénéfice, je pense que c'est bien établi. Il y a une meilleure survie, donc en moyenne de 15%. C'est ce que... Je vous remercie pour cette excellente présentation. Merci. Je pense dans le même sens d'Elsi Bouchentouf. Je pense qu'on attendait de l'anatomie parce que quand on fait cette chirurgie, que ce soit en chirurgie ouverte, et en passant, peut-être ça va être dit par Sibkali, il y a beaucoup d'équipes qui ont préféré pour faire une CME complète, faire ça par chirurgie ouverte, open, et non par cellio. Mais bon, justement, le vrai problème du chirurgien lorsqu'on est devant cette chirurgie, c'est quels sont les repères anatomiques pour débuter. Oui, il faut s'arrêter en rejoignant d'ailleurs la question d'Elsi Bouchentouf. Peut-être ce sera dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a des questions qu'on va répondre au fil des présentations. Je voudrais juste dire que nous sommes installés dans une plateforme d'hôtel. On est en semi-présentiel parce que ce contact nous manque. Et donc, c'est pourquoi on avait décidé de faire les présentations en semi-présentiel. Et donc, vous voyez... les chirurgiens qui ont été invités de tout l'ensemble des profils, des professeurs, des spécialistes, des résidents en formation, donc tout le monde est là pour partager avec nous ces présentations qu'on va avoir lieu. Donc Fatem Zahra, je pense que Philippe Hunter, est-ce qu'il est avec nous? Oui, je suis arrivé. Vous avez promis, Andy, je suis là. Oui, bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. On enchaîne, donc je présente professeur Philippe Hunter, chirurgien à Tournai en Belgique. C'est un membre du club CELIO qui va nous, donc au nom des deux sociétés, tout d'abord je voudrais le saluer et le remercier vivement qu'il répond toujours présent à chaque fois qu'on le sollicite pour participer à notre congrès national. Et donc durant ce webinaire, il va nous parler du concept et de l'intérêt de la CME dans la prise en charge du cancer du côlon droit. Donc, à vous la parole, professeur Hunter. C'est moi qui commence. C'est moi qui fais la parole. On a déjà présenté l'anatomie, maintenant on est de la deuxième communication qui est la vôtre. Ah, je croyais qu'il y avait un film de colectomie droite avant, donc pas de problème. Alors, Philippe Hunter avait présenté il y a quelques années la CME où il n'avait pas trouvé beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas si il y a des choses qui ont changé entre-temps. Mais en fait, il n'y a pratiquement plus aucune publication sur le concept de la CME actuellement. Hein. Donc, j'ai refait une revue de la littérature justement avant de vous en parler. Et honnêtement, il n'y a plus rien. Moi, j'ai plus. Peut-être que vous allez me dire l'inverse, mais moi, je n'ai plus rien vu du tout. C'est bon, vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. OK. Donc, ce concept de résection complète du mésocolon est né aux environs de 2008. C'est un concept qui est dérivé du concept de la Total Mesorectal Excisions de Bill Hild.
Certains chirurgiens ont souligné le fait que, effectivement, ce méso du rectum, il existait aussi au niveau du côlon. Et ces deux chirurgiens qui ont popularisé un peu ce concept, c'est un chirurgien de Leeds qui s'appelle West et un chirurgien allemand de Berlin qui s'appelle Hohenberger. Alors, tous les deux vont rapporter une amélioration de la survie lorsqu'ils réalisent une CME, mais il s'agissait toujours d'études rétrospectives avec des séries, je dirais, ancestrales. Alors, ce concept de complète excision du mésocolon comporte en fait deux aspects. Tout d'abord, il faut réaliser, et ça c'est sur quoi assiste surtout West, une dissection le long des plans embryologiques de façon à pouvoir enlever toutes les structures lymphatiques, vasculaires, nerveuses qui seront dans la zone de drainage de la tumeur, et de garder une enveloppe, donc un mésocolon, tout à fait intact, sans effraction du péritoine et sans effraction du fascia en postérieur. Et Hohenberger, lui, il insiste plutôt sur un autre aspect, qui est la ligature centrale des vaisseaux plutôt qu'une ligature périphérique. Et ça correspond en fait globalement au curage D3 proposé dans les équipes japonaises. Alors, très clairement, cette CME, ce n'est pas pour moi pas un nouveau concept. La dissection dans les plans embryologiques, c'est-à-dire en passant dans des plans vasculaires, c'est quelque chose qui, à mon avis, est internationalement reconnu et correspond à une bonne pratique médicale. Excusez-moi, j'ai un appel de la clinique. Allô? Je suis en webinaire là maintenant, je ne peux pas te répondre. Plus tard, oui. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde reconnaît comme, je veux dire, les bases d'une bonne pratique oncologique chirurgicale. Alors, ce principe de la ligature haute des vaisseaux par rapport à la ligature basse, ça a déjà été étudié longtemps dans les années 90, en particulier à l'ère de la laparostomie, et à cette époque-là, toutes les études, aussi bien au niveau du côlon droit qu'au niveau du côlon gauche, n'avaient montré aucun intérêt carcinologique de faire des ligatures hautes. Alors, il faut savoir aussi que les publications originales, aussi bien de West et Hohenberger, avaient pas mal de biais et ne permettaient pas de dire de façon formelle que la survie qu'ils avaient remarquée chez leurs derniers patients, chez qui avaient donc bénéficié d'une CME, était spécifiquement attribué à la CME en elle-même ou à d'autres facteurs. Il n'y avait notamment pas d'analyse multivariable et pas non plus d'informations sur l'impact des chimiothérapies adjuvantes qui, bien sûr, entre je veux dire, les séries d'il y a 20 ans et actuellement, c'est les chimiothérapies sont complètement différentes et beaucoup plus efficaces actuellement. Alors, pourquoi s'intéresser à ce nouveau concept? Ben, je pense que si on peut standardiser la chirurgie du côlon, tout comme on a standardisé la chirurgie du rectum, ça ne peut être qu'une bonne chose. Maintenant, les questions qui se posent, c'est au sujet de l'intérêt réel de cette CME. En particulier, est-ce que les ligatures hautes n'engendrent pas une morbidité accrue? Et est-ce que ça a un véritable intérêt oncologique? Alors, on va essayer de répondre à ces questions. Tout d'abord, plusieurs études ont bien démontré que si vous faites une CME par rapport à une, je dirais, technique conventionnelle, vous allez avoir dans votre pièce de résection plus de ganglions, en moyenne 4 dans une colectomie droite et en moyenne 5 dans une colectomie gauche. Mais vous allez aussi augmenter la distance entre votre ligature vasculaire et la tumeur proprement dit, et cette distance en général est supérieure de 2,6 cm. Ceci, ce sont des chiffres qui viennent du registre national danois qui
démontre, ou enfin, qui tente à démontrer qu'il ne faut pas négliger cette notion de CME, pardon, de CMO, parce que, comme vous le voyez ici, pour les stades 1 et les stades 2, on a une amélioration de la survie sans récidive. Par contre, si vous regardez la survie globale, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Pardon, c'est ici. Ce qui est amélioré, c'est la survie sans récidive. Et dans les groupes N+, donc dans les T3, vous n'avez pas d'amélioration. Donc, c'est uniquement chez les patients qui n'ont pas de ganglions envahis que l'on voit un avantage de la CME. Alors là, moi, personnellement, il y a peut-être des oncologues parmi nous qui vont pouvoir me répondre, mais je ne comprends pas en quoi enlever des ganglions, de plus de ganglions sains, permet d'améliorer la survie de ces patients. Là, pour moi, ça reste un mystère que je ne comprends pas vraiment. Alors, d'autre part, vous savez aussi qu'il faut, je pense, aussi bien en termes de traitement qu'en termes de pronostic, que les cancers du côlon droit ne sont pas les mêmes que les cancers du côlon gauche. Les cancers du côlon droit, par définition, c'est plus souvent des femmes, c'est plus souvent des patients âgés et obèses, c'est plus souvent des patients avec beaucoup de comorbidités, et c'est souvent aussi des plus grosses tumeurs qu'à gauche, et aussi des tumeurs avec un stade TNM beaucoup plus avancé. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que le pronostic d'un cancer du côlon droit soit le même que le pronostic d'un cancer du côlon gauche. Ceci étant, il y a aussi des différences en termes de technique chirurgicale. Pourquoi? Parce que vous savez bien que l'anatomie au niveau du côlon gauche, elle est relativement constante. Vous avez l'artère, vous avez en fait deux ligatures à faire si vous voulez faire une CMO. C'est une ligature ici à la base de l'artère mésentérique inférieure et une ligature ici à la base de la veine mésentérique inférieure. Donc ça, techniquement, au niveau du côlon gauche, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Alors voilà, je vais vous montrer un exemple de dissection du côlon gauche, parce que je pense que d'autres montreront des dissections du côlon droit. Voilà, vous voyez ici, vous avez vraiment le plan dans le fascia de Told, où vous préservez donc, comment dire, l'enveloppe complète de votre truc. Donc là, on était sous le niveau de la veine mésentérique. Ici, on part au niveau du promontoire et on va rejoindre les deux plans de dissection jusqu'à ce qu'on mette en évidence l'artère mésentérique inférieure qui va être liée à son origine, enfin pas vraiment à son origine, on va la lier 1 à 2 cm après son émergence de l'aorte pour préserver les fibres parasympathiques. Mais vous voyez, la dissection se fait dans un plan tout à fait avasculaire, de dedans en dehors, c'est relativement techniquement aisé. Voilà l'artère mésentérique à son origine. Ici, en l'occurrence, on va utiliser des clips de type Hem-o-loc. Est-ce que la qualité d'image est correcte pour vous? Et donc voilà, on va sectionner. Et là, vous voyez très bien ici, vous avez encore pas mal de ganglions qui vont partir avec la pièce, alors qu'ici, en principe, il n'y en a plus du tout. Donc ça, c'est pour l'aspect donc de l'artère. Et de nouveau, vous continuez votre dissection de dedans en dehors. On voit très bien ici le relief donc, du rétropéritoine. Et vous trouvez dans un plan de dissection tout à fait avasculaire et vous laissez intacte l'enveloppe du mésocôlon. Ensuite, on va terminer la dissection que l'on a initiée de dedans en dehors. On la termine de dehors en dedans en allant jusqu'au niveau de l'angle splénique qui, effectivement, dans les CME, puisque vous réalisez des ligatures hautes, en principe, l'angle splénique du côlon doit être quasiment de façon systématique mobilisé. Voilà, et donc vous avez ici, vous voyez, donc vraiment un très beau exemplaire de mésocôlon tout à fait intact avec une ligature basse. Alors, ensuite, là, c'est le même principe pour la veine qui va être disséquée donc, sous le niveau du duodénum. Donc, la veine est sectionnée à son émergence. Ça va permettre d'ailleurs d'abaisser plus facilement l'angle splénique. Et ensuite, la dissection va se porter vers l'arrière-cavité des épiplombes en restant au-dessus du pancréas que l'on voit ici.
Et l'on va donc ainsi rentrer dans l'arrière cavité des épiplombs et resséquer, donc réaliser un curage ganglionnaire donc de type D3, selon les Japonais. On reste là, bien sûr, au ras du pancréas, et l'on enlève ainsi l'ensemble du mésocolon jusqu'à ce qu'on arrive au plan de dissection autour de la rate. Alors ça, c'est pour la technique du côté gauche. Je pense que, si j'ai bien compris, quelqu'un montrera après la technique pour le côlon droit. Alors ça, c'est pour le côlon gauche, une étude qui nous vient de Belgique et qui nous démontre bien que réaliser une CME n'entraîne pas une morbidité accrue. La seule chose, c'est que si vous faites une CME, ben, vous avez un temps opératoire qui est un peu plus élevé. Par contre, aussi bien les complications post-opératoires que les infections, que les risques de fistules, que les abcès intra-abdominaux, que le risque de réopération n'est absolument pas augmenté dans la colonne CME. Donc, très clairement, au niveau du côlon gauche, réaliser une CME ne pose pas de problème ni technique, ni n'engendre pas de morbidité accrue. Par contre, et ceci est une étude qui me paraît très intéressante, qui a repris 11 études comparatives entre donc les high tie, donc les ligatures hautes à ce niveau-là, ou les ligatures au niveau des branches sigmoïdiennes. Et 11 études ont été analysées, la plupart n'étaient pas des études randomisées, et on s'est rendu compte que tous les paramètres, que ce soit la morbidité, la mortalité, mais surtout la survie et le taux de récidive, n'étaient absolument pas meilleurs si vous faisiez des ligatures hautes. Donc, la ligature haute n'a pas démontré son intérêt d'un point de vue oncologique au niveau du côlon gauche. Et ici, on parle maintenant de la survie, et on voit que si l'on fait une distinction entre côlon gauche et rectum, c'est le même pronostic. Donc, la ligature haute ne change pas le pronostic ni du côlon gauche, ni du rectum. Alors, lorsqu'on aborde le côlon droit, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de regarder la présentation anatomique, mais vous le savez que vous avez au niveau à droite, aussi bien pour les veines que pour les artères, de multiples variantes anatomiques possibles qui rendent la chirurgie, je dirais, un peu plus difficile et moins standardisée. Et le risque, notamment lorsque vous allez faire votre curage D3, c'est de blesser ou de sectionner de façon accidentelle l'artère gastro-épiploïque droite. C'est peut-être pas très grave, mais en fait, c'est pas nécessaire. Et surtout, vous avez un risque de plaies de la veine mésentérique elle-même. Et ça, ces plaies de la veine mésentérique peuvent avoir des conséquences désastreuses. En effet, si vous regardez le registre de nouveau, c'est une autre étude qui nous vient du registre danois. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le risque d'avoir des plaies des organes avoisinants est nettement augmenté en cas de CME. En particulier, pour le côlon gauche, c'est essentiellement des plaies de la rate, ce qui en général n'est quand même pas un problème majeur. Par contre, dans le côlon droit, vous avez presque 4% de plaies de la veine mésentérique inférieure, alors que vous n'en avez pratiquement pas en cas d'une chirurgie conventionnelle. Et ça, ça pose quand même un problème. Moi, je connais des cas de décès sur infarctus mésentérique suite à des plaies de la veine mésentérique inférieure. Veine mésentérique supérieure, excusez-moi. Alors, autre chose, vous avez aussi beaucoup plus de sepsis dans le groupe CME, et vous avez aussi plus de complications médicales, et en particulier plus de complications pulmonaires. Quant à la mortalité, ici, il n'y a pas de différence statistiquement significative, mais certaines études rapportent une morbidité accrue lorsque vous réalisez une CME. Alors, pour dire si la CME a un intérêt quelconque, notamment dans le côlon droit, en fait, il y a plusieurs revues de la littérature ou méta-analyses qui ont été publiées, qui souvent combinent colon gauche, colon droit. Et les conclusions de ces trois études, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, enfin un peu compliqué, parfois un peu, les résultats sont un peu contradictoires. Toutes ces études concluent que la qualité des études qui sont actuellement à notre disposition ne permet vraiment pas de dire que la CME doit être réalisée en routine,
parce qu'il n'y a pas de preuve que cela a vraiment entraîne une amélioration en termes oncologiques pour le patient. Et on ne peut pas recommander au jour d'aujourd'hui cette CME comme le gold standard dans la prise en charge des cancers du côlon. Alors, en conclusion, la CME est certainement une technique qui permet d'améliorer la qualité du spécimen, la qualité donc de votre pièce opératoire, puisque vous allez avoir un plus long pédicule, un plus grand nombre de ganglions lymphatiques. Par contre, vous avez sans aucun doute une augmentation des complications et parfois de la morbidité, et il n'y a pas d'évidence claire de bénéfice en termes oncologiques. Je sais aussi que la CME a été abandonnée par beaucoup d'équipes, notamment l'équipe de Saint-Antoine, je crois, était assez enthousiaste il y a quelques années et actuellement a vraiment fait marche arrière parce qu'ils ont trop de complications. Et ce que je vous le disais au début de ma présentation, il n'y a pratiquement rien de nouveau publié dans les années qui viennent de s'écouler. J'ai pratiquement rien trouvé, comme si ce concept avait été un peu abandonné ou sous-estimé, ou en tout cas ne paraissait plus être aussi prometteur qu'il n'était précédemment. Et donc, ma stratégie personnelle, pour un cancer du côlon gauche, on fait une CME, donc une exérèse complète du mésocôlon de façon systématique, et on fait systématiquement des ligatures hautes, parce que techniquement c'est facile et parce que techniquement ça n'entraîne pas de plus de complications. Par contre, pour le côlon droit, d'abord, l'approche n'est pas toujours laparoscopique, notamment les grosses tumeurs. Moi, je continue à les opérer en laparotomie. On fait certainement une CME de routine, c'est-à-dire que vous enlevez vous gardez l'enveloppe du péritoine intacte. Par contre, la ligature centrale des vaisseaux, bien sûr, pour les vaisseaux iléocoliques, ça se fait systématiquement parce que c'est facile. Par contre, pour les vaisseaux péripancréatiques et donc les vaisseaux, les coliques moyens, supérieurs, etc., etc., là, on ne le fait vraiment que pour des patients bien sélectionnés, notamment avec des tumeurs de l'angle hépatique. On le fera bien moins volontiers pour les tumeurs du cæcum. Et encore une fois, chez des patients bien sélectionnés, chez qui le risque de complications post-opératoires ne paraît pas exagéré. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et je suis prêt à répondre si nécessaire. Oui, merci, professeur Otters, pour votre présentation de haute qualité. Et comme vous avez dit, ça reste donc un sujet qui est toujours encore débattu entre des équipes qui disent est-ce que ça n'existait ne, déjà, la CME existait déjà ou pas. Et aussi, donc, c'est une technique qui reste extrapolée par rapport à la TME décrite pour le cancer du rectum, qui est l'excision totale du mésorectum. Donc, les études donc, manquent aussi pour donner des consensus pour obliger donc, à utiliser cette technique, si bien sûr l'intérêt en matière de, comme vous avez dit, en matière de survie sans récidive vont être prouvés ou pas. Donc, je pense, s'il y a des questions, professeur Haroura, parce que j'ai pas la main ici à la. Professeur Haroura? Je pense qu'ils ont les micros sont coupés là, à mon avis. Est-ce que vous êtes là, professeur Haroura? Donc, sinon, s'il n'y a pas de Quelqu'un devrait avoir la main pour ouvrir les micros, parce qu'à mon avis, ils sont tous fermés.
question, mais comme on est en semi-présentiel, le professeur Reiss qui veut poser une question. D'accord. Reiss. Alors, je pose ma question à Philippe. D'abord, Philippe, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Raïs. C'est toujours un plaisir de te voir, même à distance, Moi de même, mais moi ça de ne même. compense pas le présentiel, ça va de soi, tu le sais très bien. Bon, on va se rattraper, hein, on va se Alors, moi, rattraper. je vois que... Inch'Allah, ok. Alors, cette question de CME, on voit qu'elle est quand même un peu mitigée encore entre partisans. Et on voit bien quand même qu'il y a des bénéfices à faire. Et dans certains cas, quand on fait la dissection, on se rend compte qu'il y a des ganglions qui sont même pas forcément de grande taille, mais qui vont pratiquement jusqu'à l'origine, ou plutôt jusqu'à la terminaison de la veine, l'origine de l'artère. Et si on ne racle pas ce qui existe sur la face antérieure de la veine, on risque de laisser avec une ligature un peu plus haute. D'ailleurs, l'article que tu montres, il y a plus de ganglions quand on va plus loin. Et on sait très bien qu'en matière de colon, plus on étudie de ganglions, plus on a de possibilités de trouver des ganglions positifs. Alors, ça c'est un commentaire. Maintenant, ma question. Je vois que tu continues à faire de l'open pour les grosses lésions, ça va de soi, je comprends tout à fait, parce que je partage aussi un peu ta vision sur ça. Et ma question, est-ce que quand tu fais l'open, tu ligatures d'abord ou bien tu dissèques le mésocôlon, tu décolles et tu ligatures ensuite? Non, je pense que en open, on s'adapte à l'anatomie du patient. Mais ça veut dire qu'en cellio, la dissection est toujours de dedans en dehors, systématiquement. Et puis, on libère seulement la gouttière pariétocolique en fin d'opération. Par contre, en tomie, je vais plutôt tendance à commencer par mobiliser toute la gouttière. Bien visualiser les vaisseaux et puis sectionner les vaisseaux en dernier lieu. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, en fait, c'est une question d'ordre de stratégie avec une grosse tumeur en place. J'imagine que la laparotomie est réservée aux tumeurs volumineuses. Donc, ça, Oui. je fais comme toi, mais je pose la question. Est-ce qu'il y a un intérêt à ligaturer avant de mobiliser, dissémination, etc. ou... Ah non, 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 ça n'a jamais été prouvé, hein. La ligature première des vaisseaux avant dissection, ça n'a jamais été prouvé à ma connaissance. Hein. Ça n'a jamais été prouvé. Mais bon, je sais que certains disent qu'il vaut mieux lier avant pour éviter la dissémination tumorale, mais j'ai jamais rien lu qui vraiment prouvait ça de façon. Mais peut-être que j'ai pas lu les bons articles. Hein, mais moi, j'ai jamais rien lu comme quoi ça avait vraiment une influence sur la dissémination métastatique. Alors, pour répondre à ta question, les ganglions D3, c'est un débat qui, à mon avis, qui sera un débat éternel, parce que certains vont te dire que si vous avez des ganglions D3, ils doivent être considérés comme des métastases. Et que la maladie, à ce stade, si les ganglions D3 sont envahis, le patient doit être considéré comme métastatique et de toute façon, on ne sera jamais guéri. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que si vous avez des ganglions D3 qui sont envahis, le pronostic n'est pas bon. Il est bien évident aussi que si on peut enlever les ganglions en toute sécurité et remonter le plus haut, c'est clair que c'est ne serait-ce que conceptuellement l'idéal. Mais le faire au prix de risquer une plaie ou une thrombose de la veine mésentérique supérieure, ça, je crois qu'il faut être prudent. Mais parce qu'il y a vraiment, je sais pas si vous avez eu des cas au Maroc, mais je peux vous assurer en Belgique que je sais qu'il y a des cas de mort sur des dissections un petit peu, je veux dire, élargies avec des thromboses mésentériques post-opératoires, et ça tue le patient, hein, c'est l'infarctus mésentérique massif, hein. Philippe, le cancer du côlon droit, il est réputé être de mauvais pronostic par rapport au cancer du côlon gauche. Et on essaie de chercher le pourquoi de la chose. Du côté génétique, oncogénétique, apparemment, c'est pas le même cancer sur le plan des codons pour la dégénérescence, mais également du côté de la technique chirurgicale et du traitement néoadjuvant. Donc, on essaie d'améliorer à tout prix le processus de ce cancer. Il se trouve également que les récidives après chirurgie conventionnelle du cancer du côlon droit, ils sont très mal placés.
Quand, ouais. Quand on voit les adénopathies et leurs sièges, la récidive, le plus souvent, il n'y a pas de rattrapage chirurgical. C'est essentiellement de la chimiothérapie qui va. Et ça, ça coûte très cher. Et le travail qui a été fait, dont vous avez fait également à Nantes, c'est qu'il y a moins de récidives quand on fait une dissection et un curage un peu étendu. Il y a moins de récidives que par rapport à la chirurgie classique. Certes que la survie globale, elle est la même, mais la survie sans récidive, elle est un peu améliorée. Ouais, c'est pas uniquement les récidives loco-régionales qui sont prises en considération, c'est tout, hein. C'est survie sans récidive, c'est-à-dire aussi, ça peut être soit la récidive loco-régionale, mais ils incluent également dans les statistiques les métastases hépatiques ou pulmonaires. C'est la récidive sans maladie. Oui, c'est ça, c'est la récidive. Donc c'est la survie sans récidive loco-régionale et ou métastatique, quoi. Mais les résultats sont contradictoires. Alors le problème, c'est aussi, c'est que ce sont toutes des études souvent rétrospectives, non randomisées, parfois à des périodes différentes, ce qui veut dire que l'habileté du chirurgien a peut-être différente, que les types de chimiothérapie qui sont donnés sont peut-être différents, que les stagings sont peut-être meilleurs. C'est difficile, il faudrait vraiment faire des études randomisées sur une large échelle pour vraiment démontrer l'intérêt d'une technique par rapport à l'autre. Alors le problème de ces études randomisées, ben, tu sais ce que c'est d'abord il faut avoir les patients, il faut probablement faire multicentre parce qu'il faudra probablement, je ne sais pas moi, peut-être 300-400 patients dans chaque bras, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais si un chirurgien parmi vous sait faire une CME, sait squelettiser tous les vaisseaux en dessous du pancréas sans avoir de morbidité, ben, qu'il le fasse, il n'y a aucun problème. Mais ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Hein. Une question, professeur Sadel. Oui, bonjour, professeur Rotter. Bonjour. Alors, ce que je pense de cette technique, c'est qu'il y a d'abord deux choses différentes. Il y a d'abord la CME et il y a la ligature centrale. Tout à fait, c'est deux choses complètement différentes. Oui, oui, voilà. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain et essayer de séparer le sujet en plusieurs parties. La CME, en elle-même, c'est une excellente chose parce qu'elle nous a appris à produire des pièces opératoires de bonne qualité. Tout à fait. Non, mais ça, là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Deuxièmement, il y a la ligature centrale. La ligature centrale, là, il faudrait peut-être séparer les patients en plusieurs groupes, savoir si, par exemple, là où il y a le maximum de complications post-opératoires, c'est surtout lors de l'artère colique supérieure droite. C'est là qu'il y a et de la veine surtout. C'est là qu'il y a des rapports avec on risque de se tromper, de ligaturer le tronc gastrocolique de haine et d'avoir des problèmes. Si, par exemple, on a de gros ganglions là-dessus, ça c'est des M, c'est des métastases. Mais s'il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'on va s'acharner à faire des ligatures là où il y a absolument... on a des tumeurs qui sont T1, on a des tumeurs qui sont T2. Il y a beaucoup de malades N0. Alors, pourquoi s'acharner à faire des résections ganglionnaires chez des malades chez qui on aura après des ganglions négatifs, mais on avait une grosse morbidité? Tout à fait. Mais moi, c'est ce que je dis. Enlever un ganglion sain, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ça n'a aucun intérêt, un ganglion sain. C'est ça. Je crois qu'il faudrait séparer les au cas par cas. Il y a des cas où une ligature centrale peut être très utile. Et il y a des cas où c'est inutile d'aller chercher à fouiller au fond. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance si le ganglion va être positif ou pas. Oui, on ne sait pas, mais... Complètement, on ne sait pas. Mais je veux dire, si vous avez une patiente de 7 ans... On a une forte présomption lorsqu'il est positif. Ouais. Lorsqu'il est négatif, on ne sait pas. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, si vous avez un patient de 45 ans qui a un cancer du côlon droit, c'est clair qu'on va être agressif. Hein, on va être agressif chirurgicalement parce qu'on se dit, attends, à 45 ans, il faut lui donner un maximum de chance. Si maintenant, vous avez une patiente de 70, 75 ans
qui est insuffisante rénale, diabétique, et donc vous savez bien que le pronostic, de toute façon, il n'est pas que au cancer de son côlon, mais à son état général, vous n'allez peut-être pas lui faire courir des risques inutiles, quoi. Donc, je crois qu'il faut... Bon, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Quand je dis on sélectionne patient par patient, on tient compte de la localisation de la tumeur. On est moins agressif pour les tumeurs du sécom que pour les tumeurs de l'angle hépatique. Et on est plus agressif chez les patients jeunes en bon état général que chez les patients âgés avec des facteurs de comorbidité. Philippe, il y a une question du docteur Nizar Al-Bahawi. Il parle de question concernant la CME en cas de cancer colique droit en occlusion. Cancer colique droit, bon, je pense que ça ne change rien. Ça ne change rien. Les principes de la dissection doivent être les mêmes. Les principes de la dissection doivent être les mêmes. Maintenant, bon, il y a occlusion et occlusion, mais pour moi, un cancer du côlon droit en occlusion, je vais probablement l'opérer en laparotomie et pas en laparoscopie. Bon, ça, c'est une première chose. Et sinon, au niveau de ma technique opératoire, ça ne va rien changer. Je vais faire une CME, je vais essayer de faire mon curage ganglionnaire le plus extensif possible, au moins un des deux. Et puis, comme la tumeur, elle est sur le côlon droit et qu'en principe, le côlon transverse, lui, n'est pas dilaté, je ferai une anastomose première sans stomie de protection, probablement. Voilà. Professeur, j'ai une question. Je ne sais pas si vous feriez la même chose que moi. D'accord, donc je pense qu'on va arrêter la séance de questions. Merci, professeur Oters, pour vos éclaircissements. Et maintenant, donc, on va enchaîner avec la Je reste clinique. Avec vous, de toute façon. Je reste avec vous. Oui, bien sûr. Vous êtes le bienvenu. Donc, on enchaîne avec professeur Younes Bkhali de Rabat, qui va nous parler, ou bien qui va nous présenter deux vidéos de comment je fais une CME pour cancer du côlon droit, une vidéo par laparotomie et une autre par voie laparoscopique. Et donc, je passe directement donc, la main à professeur Bkhali de Rabat. Merci, professeur Gonsardi. Donc, je remercie les deux sociétés. Donc, je vous présente ici la première vidéo concernant le CME du côlon droit en laparotomie. Donc, le premier cas, c'est en laparotomie. Donc, le cas d'un patient qui présente une grosse tumeur du côlon, du sécom étendu sur tout le côlon droit. Donc, on va l'aborder par laparotomie, donc par une médiane. Le premier temps, c'est un décollement de tout le côlon droit. Puis, on commence à libérer l'axe vasculaire. Donc, la dissection. L'image machine. Qualité de l'image. Donc, la dissection commence sur l'axe de la veine mésentérique supérieure. Donc, on individualise ici. Donc, on commence la dissection sur sa face antérieure et le bord droit, de bas en haut, en s'orientant sur l'axe de la veine.
pour partir jusqu'au niveau de l'artère colique, médiane, la colique à média, en pelant et en disséquant tout le paquet cellulo-graisseux sur tout le trajet. On voit ici qu'il y a beaucoup de ganglions. On complète la dissection pour individualiser surtout le repère anatomique le plus important, c'est l'origine de l'artère ioséco-colo-appendiculaire. Donc, on voit sur cette vidéo qu'on arrive à avoir beaucoup de ganglions sur la veine et sur son bord droit. Donc, avec une dissection minutieuse pour ne pas avoir une plaie sur la veine. Donc, une ouverture du méso pour chercher l'origine directe de la veine, du pédicule iliocolique. Donc, ilio-séco-colo-appendiculaire. Donc ici, on va individualiser l'artère et la veine. Donc comme ça a été dit sur les données de l'anatomie, donc on a soit à 50% des cas, on voit la veine en premier, et dans les autres 50% des cas, c'est l'artère. Donc ici, ligature de l'artère et de la veine en bas, l'artère en haut, à son origine, donc sur l'axe de la veine mésentérique supérieure, l'abouchement de la veine ilio-séco-colo-appendiculaire. Donc cette technique de CME, son intérêt, c'est d'avoir un spécimen, c'est-à-dire une pièce opératoire avec un mésocolon qui est complet, pas de plaie sur le mésocolon, et avoir une longueur importante. Donc d'après M. Humberger, il décrive sur les pièces disséquées qu'il faut avoir une longueur de 10 cm du mésocolon, avec comme geste oncologique une marge de résection de bas en haut de 7,5 cm à 5 cm. Donc, on complète la dissection sur la longueur du pédicule. Là, on a notre l'artère colique droite. Donc, c'est la station 213 de la classification japonaise. Donc, on a disséqué la 203, c'est-à-dire la centrale, et ici la 213. Et on va s'orienter plus en haut vers la 223. Donc, il passe de 0, 1, 2. En fonction du nombre des artères qui s'orientent vers le pédicule. Donc, après dissection ligature de l'artère, on est sur le tronc de Henle. Ici, c'est notre tronc de Henle qu'on va compléter la dissection de l'autre côté. Le principe du no-touch tumor, donc ne pas toucher, et on complète la résection sur la face antérieure du pancréas. Donc, pour ce malade-là, on vient de récupérer un nombre très important de ganglions tout en respectant la face antérieure du pancréas ou le mésopancréas antérieur, et en le disséquant tout ce panicule, ce paquet ganglionnaire aux alentours de la tête du pancréas et du duodénum. Donc, qui va nous orienter directement sur le tronc de Henle. Donc, ici, un magma ganglionnaire et un autre sur le ganglion principal. Le ganglion principal sur l'artère mésentérique, la colique à média. Donc, voici le ganglion important. Les défenseurs de la technique de la CME, ils l'ont décrit essentiellement sur des récidives à ce niveau-là, au niveau de l'origine de l'artère mésentérique, au niveau de la colique à média. Ici, sur le tronc de Henle, on a la veine gastrocolique, gastroépiploïque droite, et la veine colique droite. Donc, jusqu'à compléter notre curage.
Comme ça, on arrive à un peu les squelettiser tout l'axe. On complète notre dissection sur l'artère colique moyenne. Et pour ce malade, on va ligaturer la branche droite en pelant. C'est pas la peine de ligaturer l'artère à son origine. On garde la branche gauche et on résèque la branche droite et on s'oriente vers le colon transverse en coupant l'arcade bordante. Donc, comme ça, on complète notre curage et pour avoir un bon spécimen ou une bonne pièce de résection avec une bonne longueur de notre maison. Donc, en bas, c'est la résection du mésentère de la dernière anse afin de compléter l'exérèse de la pièce. Donc, l'essentiel, c'est de suivre le trajet de la veine mésentérique supérieure de bas en haut. On s'oriente surtout au niveau de l'ius coculo-appendiculaire. Donc, anastomose latéro-latérale par pince mécanique. Donc, pièce opératoire, 25 ganglions qui ont été prélevés. Un T3, N0, tous négatifs. Ça, c'est pour la première vidéo. Ça, on l'a parotomie. Donc, l'autre vidéo, ça va concerner la réalisation de la technique en célioscopie. C'est aussi un autre patient pour lequel, chez qui on a une tumeur du sécom. C'est un petit peu une grosse tumeur pour laquelle on dit, mais il est maigre. Donc, l'intérêt pour les défenseurs de cette technique, c'est des sujets effectivement maigres avec un IMC faible. Donc, ça, c'est des ganglions qu'on voit sur le trajet, sur la longueur de l'artère ilio-séco-colo-appendiculaire. La tumeur, elle est là. Il n'y a pas de carcinose, pas de métastase. Donc, la position, pour le colon droit, habituellement, on fait 4 trocars. Normalement, le chirurgien, il est à gauche. Mais pour la technique de la CME, on met les jambes écartées pour que le chirurgien puisse accéder directement à l'axe vasculaire parce que cet axe doit être orienté directement en face du chirurgien. Donc ici, le diodénum, il est un petit peu dilaté chez ce malade. Donc, la traction de la pince de l'aide opératoire du colon transverse permettra de montrer l'axe sur lequel on va faire l'exérèse. Donc ici, on voit l'artère, l'ilio-séco-colo-appendiculaire, l'artère qui vient croiser la veine mésentérique supérieure sur sa face antérieure. Donc on trace, on fait notre ligne de dissection. On commence sur la face antérieure. Donc on essaye de peler le feuillet, ouvrir le feuillet antérieur en respectant l'artère. Donc on repère notre dissection de bas en haut jusqu'au moment, c'est-à-dire on limite les limites de notre curage. Donc on commence sur la face antérieure de la veine mésentérique supérieure et on dissèque petit à petit pour enlever tout le paquet cellulo-graisseux aux alentours autour de la veine pour pouvoir chercher l'origine de l'artère ilio-séco-colo-appendiculaire et l'abouchement de la veine. Donc cette ouverture ici sur la racine du mésentère, ici on est en bas, je rappelle que le diodénum est un petit peu dilaté, donc on dissèque en bas pour ouvrir et avoir un passage sur le plan de dissection avasculaire entre le plan rétropéritonéal et le méso. Donc ici, c'est notre veine, c'est la veine mésentérique supérieure, dissection minutieuse pour pouvoir libérer l'artère et la veine ilio-séco-colo-appendiculaire pour pouvoir les ligaturer à leurs origines.
donc l'avouchement de la veine et l'origine de l'artère. Donc, pour cette chirurgie, on peut utiliser soit de l'énergie ultrasonique ou même la bipolaire qu'on va voir sur la suite de la vidéo. Donc ici, c'est notre artère iliosécocola appendiculaire qu'on libère de façon minutieuse pour ne pas créer de plaies. Je rappelle que c'est un sujet qui est maigre. La difficulté pour la CM ici, c'est la veine. Notre veine mésentérique supérieure et l'abouchement de l'iliocolique. Pour ce malade, la veine, elle est en bas, l'artère de devant. Donc, ligature de l'artère par des pinces des clips verrouillés. Donc, après ligature-section, on complète la dissection vers le haut, toujours en s'orientant de la veine. Donc, on suit le trajet de la veine. On voit ici qu'il y a beaucoup de ganglions sur le trajet de la veine. Le risque de plaie vasculaire est important, donc le chirurgien, il dissèque de façon minutieuse avec des petits coups, que ce soit par l'ultrasonique ou la bipolaire, afin d'avoir le maximum de ganglions sur le curage. Ici, c'est notre artère, c'est la station 213, c'est l'artère colique droite. Donc, notre veine mésentérique supérieure. La dissection ici va passer devant le pancréas. Donc, on est sur le duodénum ici, détroit. Quelques attaches du méso sur le duodénum qu'on devrait libérer pour avoir un méso-colon qui est complet. Donc, on complète notre dissection sur le duodénum et le pancréas, sur la face antérieure du pancréas, beaucoup de ganglions. Donc, jusqu'au moment où on voit, c'est le plan anatomique embryologique, le mésocolon devant, le pancréas, le duodénum, avec le tronc gastrocolique de Henle qu'on va voir tout de suite. Donc, une dissection minutieuse, l'aide opératoire doit se soulever. On travaille dans un petit endroit sur lequel il y a un gros risque de saignement. Donc, le mésocolon transverse, mon pancréas et le duodénum. Ici, c'est notre tronc d'un lait avec la veine duodéno-pancréatique inférieure, la veine colique droite. Je complète la dissection devant pour bien individualiser les éléments vasculaires qu'on va couper et clipper. Donc une dissection très fine, minutieuse, parce que le risque est important ici. Donc, c'est notre veine qu'on va ligaturer. Donc, vous voyez là la ligne de dissection entre le méso. Et ça, c'est le tronc de Henle avec ses différentes branches. La gastro-épipéloïque droite, la veine gastrique droite et la veine pancréatique duodénale antérieure et inférieure. Donc, cette ligne de dissection anatomique permettra d'individualiser mon méso, le mésocolon en haut et ce qui va rester en bas. Donc, une image d'ensemble, la veine mésentérique supérieure, l'artère colique droite, pancréas, duodénum. Donc, après ligature
deux éléments. On complète la, la dissection du mésocôlon transverse pour compléter la, la dissection jusqu'au niveau du côlon de la paroi colique. Si une dissection doit être fine et minutieuse, jusqu'à récupérer le spécimen en entier. Donc, c'est important de réaliser cette dissection. Ce qui est important pour cette technique, c'est la pince sur le côlon transverse qui oriente le chirurgien sur, sur le trajet de dissection et où doit-on s'arrêter. Parce que ici, on voit notre artère. Donc, on clipe les veines et l'artère, c'est de l'autre côté, c'est la branche droite qu'on va ligaturer après extraction de la pièce. On va compléter par une contre-incision péri-ombilicale centimétrique. Il ne dépasse pas les 5 cm. Donc, on coupe les veines coliques droites et et après la branche droite de l'artère colique moyenne pour permettre de compléter la dissection vers le haut. Donc on voit bien le duodénum en bas, le mésocôlon dans sa globalité et la paroi colique. Donc, on arrive bien à disséquer tout le méso et on complète, on retourne vers le bas pour compléter sur la dissection sur le plan anatomique normal entre le au-dessus de l'artère iliaque, ouvrir les deux plans fascia de Todt pour compléter la dissection. Donc, comme la technique standard, de bas en haut et dedans en dehors. Ce patient a subi déjà comme antécédent une cholecystectomie. Donc, après complément de la dissection d'en bas, on complète vers le haut sur le ligament gastro, sur le ligament cholecystocolo-duodénal. On libère notre angle colique droit pour rejoindre la dissection d'en bas sur la gouttière pariétocolique et faire une contre-incision pour extraire la pièce opératoire et faire l'anastomose extracorporelle. Ici, c'est le schéma, l'image d'ensemble. Donc, la veine mésentérique supérieure, l'artère, le tronc de Halley avec ses différentes branches, pancréas et le duodénum. Et ça, c'est le spécimen, donc la pièce opératoire. Je vous remercie. Merci, professeur Prali. Je vous remercie pour la qualité de vos vidéos. Et comme vous le savez, donc, le cancer du côlon droit, ça nécessite une certaine expertise chirurgicale, surtout la résection colistocéréoscopique. On vous l'avait montré, la dissection, elle est un peu particulière par rapport à la PME classique pour le rectum. Donc, elle est parfois donc hémorragique, donc il faut faire très attention et c'est réservé, bien sûr, aux experts en matière de chirurgie colique. Voilà, donc, je passe la main aux chers confrères qui participent, soit à distance, soit en présentiel, pour poser leurs questions. Alors, moi, j'ai une question, professeur Prali, concernant la voie ouverte. Est-ce que vous abordez toujours le côlon de dedans en dehors, ou juste cette fois-ci parce que vous voulez donc démontrer la technique de CME par voie laparotomie? Non, normalement c'est l'abord de dehors en dedans. Et ce qu'on a fait pour ce même patient, parce que c'était une grosse tumeur comme je viens de montrer sur la vidéo, on a libéré, on a décollé tout le côlon de dehors en dedans, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. On a exposé notre côlon et on voulait faire la CME
c'est pour décrire la technique par labor vasculaire. Donc, on a tout libéré de l'extérieur, c'est-à-dire de la gouttière parietocolique, puis on a étalé le reste du cadran pour faire la labor vasculaire. D'accord, merci. Bonjour, je peux poser une question ? Allez-y. Alors, je félicite premièrement le professeur Khali pour la qualité des vidéos. Au fait, j'ai une question et une remarque. La première, c'est une remarque concernant le rôle de l'anatomopathologiste dans la lecture des pièces, parce que, comme on a vu sur la première intervention, il y a des adénopathies qui sont quand même volumineuses, et on a 25 ganglions et qui sont négatifs. Et des fois, en péropératoire, c'est-à-dire sur la pièce, on constate qu'on a emporté beaucoup d'adénopathies, et on se retrouve avec un compte rendu où on constate qu'on a retrouvé seulement un nombre très petit d'adénopathies. Je pense qu'il faut aussi pas mettre beaucoup de pression sur le chirurgien, mais il y a aussi la place de l'anatomopathologiste dans la lecture des pièces. Ça, c'est d'une part. D'autre part, puisque le problème, c'est sur l'étendue de l'exérèse de mésocolon, c'est justement... Si on se pose, s'il y a des adénopathies qui sont positives, pour aller faire une exérèse plus étendue. Quelle est la place du ganglion sentinelle dans cette exérèse complète du mésocolon? Est-ce qu'il n'y a pas une place comme pour le sein, tout en sachant que ça pourrait être un peu plus compliqué? Et merci. Philippe. Ouais. Tu es avec nous? Oui, bien sûr, je suis avec vous, oui, je suis toujours là. Ganglion sentinelle, qu'est-ce que tu penses? ICG, c'est à la mode maintenant, pas d'ICG, ganglion sentinelle, qu'est-ce que tu penses? J'en pense rien. ça fait quand même un choix pour toi. Non, mais je pense que tout ça, c'est des choses qui sont en évaluation. Mais qu'il n'y a aucune preuve de l'intérêt du ganglion sentinelle. Alors, est-ce qu'il faut injecter le produit aussi par endoscopie dans la tumeur avant l'opération? Est-ce qu'il faut injecter le produit pendant l'opération à côté de la tumeur? C'est des techniques souvent de verre d'indocyanide pour repérer le ganglion sentinelle. Il faut encore avoir la caméra, etc., etc. Honnêtement, je n'en pense rien. Honnêtement, j'en pense rien. Mais comme toutes ces techniques qui existent depuis 10 ans au moins et qui actuellement ne sont pas validées, je pense que l'intérêt est relativement mineur. Si ça avait un vrai intérêt, on le saurait, à mon avis. Mais je n'ai aucune expérience, donc je préfère ne pas dire de bêtises, mais je ne pense pas que le ganglion sentinelle soit au jour d'aujourd'hui une recommandation dans la chirurgie colique, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme vous l'avez dit, c'est en cours d'évaluation et que ça ne change pas un peu la tactique chirurgicale. Oui, ça a le mérite de bon, c'est en évaluation, mais pour moi, ça n'a pas vraiment prouvé son intérêt. Pour revenir à la remarque sur le nombre de ganglions, c'est clair que le nombre de ganglions, ça dépend plus de l'anatomopathologiste que du chirurgien. Très clairement. Je vais donner un exemple tout simple. Dans la chirurgie de l'œsophage, on avait en moyenne 12 ganglions dans nos pièces d'œsophagectomie. Maintenant qu'on a... un peu mis la pression sur nos oncologues parce qu'il y a des protocoles nationaux sur le cancer de l'œsophage. Le dernier, il y en avait 37, quoi. Alors que j'ai fait la même chirurgie que j'aurais fait pour celui pour lequel on en décrit 12. Donc, vraiment, le rôle de l'anatomopathologiste, il est fondamental dans le nombre de ganglions analysés. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça aussi que les valeurs seuil de 12 ganglions, par exemple... C'est un peu aléatoire, hein, parce que dans certaines équipes, on va vous trouver en moyenne 25 ganglions et dans d'autres en moyenne 12, alors que les deux chirurgiens font probablement la même opération. C'est plutôt, faudrait plutôt parler en termes de station, comme ça a été montré dans le film, la station à telle. Maintenant, d'un autre côté,
ces stations 11A, 11B, 11C, ça devient tellement théorique que ça devient aussi un peu pas très pratique quoi, dans la vie de tous les jours. Mais parler en termes de stations, dire qu'on va jusqu'à tel niveau, je crois que ça serait la meilleure façon de standardiser les interventions chirurgicales du côlon. Quel type d'anastomose vous allez faire, intracorporelle ou extracorporelle? C'est une question qui vient, donc en célioscopie. C'est pour moi, l'extracorporelle. La question, elle est pour moi ou pour... Il y a une question qui vient dans le... Là, je connais la réponse. J'ai donné la littérature montre qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. L'avantage de la technique extracorporelle, c'est que c'est, je dirais, techniquement plus facile, mais qu'il y a un risque de twister la lance grêle, parce que comme vous, généralement, on fait des mini-incisions, on ne voit pas très bien, on peut très bien avoir un twist du méso de la dernière lance grêle, ce qu'on n'a jamais en technique intracorporelle. Mais techniquement, c'est plus facile. Donc, moi personnellement, je fais beaucoup plus souvent des anastomoses extracorporelles. Par contre, je retourne systématiquement en célio pour vérifier qu'il n'y a pas de twist et je ferme la brèche en célio. Parce que fermer la brèche par la mini-laparotomie, c'est aussi techniquement très difficile. Mais les équipes qui font des anastomoses intracorporelles ont les mêmes résultats. Hein. En termes de fistules et tout ça, il n'y a pas de différence. Je pense qu'on va enchaîner. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Parce que vous êtes quand même aussi, il y a pas mal de jeunes qui lisent beaucoup de littérature. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de vraiment récent et d'intéressant sur ce concept de total mésocolon excision dans la littérature? Moi, j'ai vraiment rien trouvé. Est-ce que vous avez trouvé des trucs un peu plus récents qui font dire, tiens, ben voilà, c'est quand même intéressant, ou bien... Est-ce que c'est un concept qui tout doucement va mourir de sa belle mort? Les équipes qu'on a trouvées qui prennent un peu la technique, c'est les équipes asiatiques, mais en tout cas, il n'y a pas d'impact sur la survie globale. Il n'y a rien vraiment de nouveau, hein. Moi, j'ai rien. Exactement. Maintenant, l'ensemble des études s'est mitigé puisqu'il y a, d'une part, c'est des études rétrospectives le plus souvent. Il y a toujours de la chimiothérapie, les groupes sont hétérogènes. Ah ouais, donc, on ne sait pas l'amélioration, est-ce que c'est de la part de la chimiothérapie ou bien c'est de la part de la technique qui a été, et du curage qui a été fait correctement. Cependant, ceux qui défendent la technique, ils parlent de moins de récidives, entre parenthèses. Ouais. Mais comme vous l'avez dit, il faut des études prospectives pour voir la véracité des choses. Exactement. Moi aussi, j'ai revu un petit peu la littérature. J'ai pas trouvé vraiment d'articles récents pour cette approche. Il parle de, si vous voulez, de survie sans maladie, c'est-à-dire, comme vous avez dit, professeur, c'est-à-dire sans récidive, soit loco-régionale, soit métastase hépatique aussi associée. Donc, voilà. Mais ça reste débattu quand même. Mais ça confirme ce que je pensais, ce que j'avais lu, oui. Merci. D'accord. Si vous le permettez, on va enchaîner. Et donc, la dernière communication, c'est celle du professeur Belbaraka, qui va... Vous êtes avec nous, professeur Belbaraka? Oui, bonsoir, professeur Flora. Vous m'entendez? Oui, très bien, parfait. Bien. Donc, vous avez la lourde tâche de nous parler des actualités du traitement médical du cancer du côlon droit. Vous êtes la bienvenue parmi la famille des chirurgiens. Et donc, soyez bienvenus et vous avez la parole. À vous, professeur Belbaraka. Vous confirmez que vous voyez mon écran? Oui, on vous voit. D'accord, merci. Donc,
un point très important à rappeler, c'est que la chirurgie, donc je suis parmi les chirurgiens, donc la chirurgie reste la clé du traitement pour le cancer colique. Le traitement systémique et notamment la chimiothérapie, il est là pour aider la chirurgie à guérir beaucoup plus de malades et donc éviter les récidives, que ce soit les récidives locales ou à distance, et donc prolonger la survie. Donc, le traitement systémique adjuvant va intéresser à peu près 50 à 70% des patients de stade 2 et de stade 3, avec un bénéfice absolu qui est de l'ordre de 20% à 5 ans. Donc, ce bénéfice, bien sûr, il est beaucoup plus marqué quand on a une atteinte ganglionnaire, mais également en cas de présence de facteurs de mauvais pronostic. Donc, la chimiothérapie adjuvante, elle a débuté dans les années 90 avec le schéma 5-fluorouracil-levamisole. Donc, dans les cancers coliques de stade 3 principalement. Et puis, les schémas avec le 5-FU en perfusion continue, donc sous forme d'un LV5-FU2 ou bien de la capecitabine. Et puis, vers les années 2000, les chimiothérapies combinées sont apparues. Donc, principalement, l'ajout de l'oxaliplatine à un schéma par LV5-FU2 donc sous forme d'un FOLFOX ou à la capecitabine sous forme d'un schéma Xelox. Donc, l'ajout de l'oxaliplatine, principalement avec la première étude, l'étude Mosaïque, a montré un bénéfice en survie globale, donc surtout pour les stades 3 là aussi, donc en cas d'atteinte ganglionnaire, mais également pour les stades 2 de haut risque. Donc, le fait d'associer donc, l'oxaliplatine apporte un bénéfice et l'efficacité de la chimiothérapie, elle est très claire, donc le bénéfice de la chimiothérapie, il est très clair dans les stades 3. Cependant, le bénéfice, il est un peu moins net que donc dans les stades 2 par rapport au stade 3. Donc, cette question a été beaucoup étudiée et on a pu déterminer des facteurs qui définissent des stades 2 de haut risque, donc qu'on verra un peu plus tard. Donc, durant 20 ans, le bénéfice du traitement systémique a permis donc de guérir un peu plus de patients. Donc, on est passé dans les années 90 de 50% de survie sans récidive à 3 ans, donc un malade sur deux donc, qui peut être guéri grâce à la chirurgie et la chimiothérapie, à plus de 70% donc, par une chimiothérapie combinée, donc plus de 70% des patients qui vont pouvoir guérir donc, grâce à une chirurgie complète, bien sûr, associée à une chimiothérapie adjuvante. Donc, depuis 2004, le schéma par association 5-FU oxaliplatine ou capecitabine oxaliplatine est devenu le standard thérapeutique et depuis plus de 16 ans, ça n'a pas pu être détrôné. Donc, les autres drogues de chimiothérapie, notamment l'irinotécan, n'a pas de place en situation non métastatique et aussi les thérapies ciblées, donc que ce soit les anti-angiogéniques avec le bevacizumab ou les anti-EGFR, donc n'ont pas de place en situation non métastatique. Donc, en situation adjuvante, on reste sur notre faim depuis 2004, pas de changement de standard, une chimiothérapie 5-FU, capecitabine, oxaliplatine. Donc, ceci, sauf que l'oxaliplatine, donc c'est une drogue qui n'est pas anodine. Donc, l'oxaliplatine, elle peut s'accompagner d'une toxicité, donc principalement sous forme de neuropathie périphérique. Donc, c'est une toxicité qui est cumulative, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance dans les cures de chimiothérapie, cette toxicité apparaît et elle peut gêner les gestes fins de la vie quotidienne, donc notamment le déboutonnement d'une chemise, le maniement d'objets fins. Et c'est une toxicité qui est résiduelle, c'est-à-dire qui peut persister plusieurs années chez des patients guéris. Donc, à partir de là, donc la question de modifier peut-être le schéma donc de la chimiothérapie adjuvante, principalement modifier la durée de la chimiothérapie adjuvante, a été très, très étudiée. Et ça, c'était l'idée donc, de l'étude IDEA. Donc, l'étude IDEA, c'est une étude qui a poulé les données de 6 études européennes qui ont toutes posé la même question. Donc, dans des cancers du côlon stade 3, quelques études ont inclus aussi des stades 2 de haut risque. Donc, elles ont toutes poser la même question, à savoir donc démontrer une non-infériorité à un schéma, donc d'un schéma court, donc de 3 mois de chimiothérapie adjuvante par rapport à 6 mois, donc qui était le standard depuis 2004. Donc, d'une manière globale, cette étude n'a pas atteint son objectif primaire, donc 3 mois pour tous les cancers
colique donc localisée n'est pas inférieure à 6 mois. Par contre, si on regarde un peu plus dans les détails, donc il s'avère que pour les tumeurs qui sont dites de bas risque, à savoir donc les tumeurs avec donc les T3 ou les tumeurs avec moins donc atteinte de moins de 3 ganglions, donc ce sont des tumeurs qui peuvent bénéficier d'un schéma court, donc de 3 mois de Xelox, donc un schéma par capistamine oxaliplatine, s'avère non inférieur à 6 mois de Folfox. Par contre, pour les tumeurs qui sont de haut risque, donc notamment les T4, ou bien en cas de présence d'atteinte ganglionnaire de plus de 3 ganglions, donc pour ces tumeurs-là, la non-infériorité n'a pas été atteinte, et donc on reste sur un schéma long, donc de 6 mois de traitement. Donc, ceci a été donc regroupé. Ça, c'est les recommandations de la Société donc, européenne d'oncologie médicale qui ont été actualisées et publiées en juillet 2020. Donc, pour les stades 3, donc, comme je vous ai dit, donc, pour les stades 3, donc, pour les stades 3 avec moins de 3 ganglions atteints et maximum un T3, on peut se contenter donc d'un schéma de 3 mois de chimiothérapie adjuvante donc par du Xelox. Par contre, si on utilise du 5FU, il faut à ce moment-là utiliser 6 mois de Folfox parce que la non-infériorité n'a pas pu être démontrée de 3 mois de Folfox par rapport à 6 mois de Folfox. Et pour les stades de haut risque, donc on reste sur un schéma classique de 6 mois de chimiothérapie adjuvante. Donc, on revient au stade 2. Donc, vous voyez ici que certains tumeurs de stade 2 ont un pronostic beaucoup plus péjoratif que certains stades 3. Ceci, notamment, est vrai quand on est devant une tumeur T4 ou bien en cas de perforation donc de la tumeur. Donc, la question était de trouver un certain nombre de facteurs pronostiques donc, qui sont de mauvais pronostics, qui vont permettre donc d'isoler ces stades 2 qui sont de mauvais pronostic, donc de les comprendre un peu mieux et donc de pouvoir les traiter. Donc à côté de la taille donc T4 et à côté de la perforation, on peut retrouver également donc la présence d'engainement périnerveux ou périvasculaire, la différenciation tumorale, mais également un curage ganglionnaire de moins de 12 ganglions. Donc ceci confère à la tumeur un mauvais pronostic avec un risque de récidive beaucoup plus important et donc nous pousse à faire un traitement adjuvant. L'un aussi des facteurs de mauvais pronostic, c'est le statut MSI. Donc le statut MSI, c'est quoi? Donc c'est-à-dire les tumeurs avec une instabilité microsatellitaire, donc ce qui correspond à un défaut dans le système de réparation des erreurs de réplication. Donc ces tumeurs qui ont cette instabilité ont un pronostic qui est excellent en situation localisée. Donc, ils ont un pronostic excellent en situation localisée. Donc, si on a une tumeur, donc en dehors, bien sûr, des tumeurs T4 et avec une perforation, si on a une tumeur donc, qui a une instabilité microsatellitaire, donc on sait que c'est une tumeur qui est de très bon pronostic et donc peut-être qui n'a pas besoin d'une chimiothérapie. Donc, bien sûr, quand on est devant un stade 2. Par contre, donc le fait d'avoir cette instabilité microsatellitaire va conférer à la tumeur une certaine résistance au 5FU. Donc, si on est amené à donner une chimiothérapie adjuvante devant une tumeur qui a une instabilité microsatellitaire, donc parce que c'est une tumeur qui est de T4, ou bien parce que le curage était insuffisant, ou bien parce que c'est une tumeur de stade 3, à ce moment-là, il faut donner une chimiothérapie combinée. Il faut donner le 5FU ou la capistamine associée à l'oxaliplatine. Il ne faut pas donner donc, le 5FU ou la capistamine en monothérapie. Donc ça, c'est un élément très important. Donc ceci dit, ce sont les recommandations de l'ESMO donc 2020 pour les stades 2. Donc vous voyez que le fait... Non, je vois pas bien. Donc, que le fait d'avoir moins de 12 ganglions atteint, le fait d'avoir un T4, donc ça confère à la tumeur un statut de donc un pronostic mauvais et donc il faut faire un traitement adjuvant. Donc les autres facteurs de mauvais pronostic, donc avec les autres facteurs, notamment l'invasion, l'engainement périnerveux, l'engainement lymphatique. Donc la différenciation tumorale, donc ça on est dans une tumeur qui est de risque intermédiaire et donc il faut la présence d'au moins 2 facteurs de mauvais pronostic pour indiquer une chimiothérapie adjuvante. Donc toujours en quête d'améliorer ces résultats, parce que comme je vous ai dit, depuis 2004 ça n'a pas bougé en matière de traitement systémique du côlon localisé.
on s'est intéressé donc beaucoup plus à la question de la chimiothérapie néoadjuvante, donc au concept de la chimiothérapie néoadjuvante. Pourquoi ? Parce que la chimiothérapie néoadjuvante, bon, elle marche dans d'autres tumeurs, notamment dans d'autres tumeurs digestives, donc notamment les tumeurs gastriques et dernièrement les tumeurs rectales. Et parce que donc, la chimiothérapie néoadjuvante va nous permettre de traiter d'une manière précoce la maladie micrométastatique, va nous permettre peut-être d'améliorer les résultats de la résection chirurgicale sans compromettre le pronostic des patients si on, donc, si on part pour une chimiothérapie qui est courte, donc de l'ordre de 6 à 8 semaines. Donc il y a plusieurs études de phase 2 et une étude de phase 3 qui ont testé, donc qui ont essayé cette question. Donc ça, c'est une étude britannique, donc Foxtrot, c'est l'étude la plus, donc, la plus grande, donc elle a inclus à peu près 1000 patients, et qui a testé donc, chez des patients classés T3 ou T4 de haut risque. Et là aussi, ça, c'est une critique pour, donc, pour cette étude, c'est la sélection des patients, parce que la sélection des patients a été faite sur le scanner, et on sait très bien que le scanner n'est pas très sensible pour déterminer donc T3, T4 et donc déterminer l'atteinte peut-être de ganglionnaire. Et donc, elle a testé une chimiothérapie donc courte, 6 semaines donc de d'oxaliplatine associée au 5-FU, donc suivie donc en pré-opératoire, suivie d'une chimiothérapie post-opératoire donc de 6 mois. Et puis, quand les résultats de IDEA ont été publiés, donc il y a eu un amendement pour faire, pour les tumeurs de bon pronostic, faire que 3 mois de traitement en post-opératoire. Donc, l'objectif primaire, c'était donc la survie sans récidive à 2 ans. Donc, au global, avec un schéma, donc vous voyez là la courbe d'en bas, donc avec un schéma d'une chimiothérapie péri-opératoire, on arrive à améliorer donc, la survie sans récidive à 2 ans. Avec, donc, ce, notamment sur le plan clinique, sur le plan statistique, c'est un peu plus controversé, parce que lors de la première présentation, l'étude était négative, mais après, les auteurs, ils ont recalculé et ils ont trouvé que peut-être l'étude elle est positive. Dans tous les cas, l'étude n'est pas encore publiée, à ma connaissance, pour pouvoir rentrer dans les détails. Mais sachez que le concept de chimiothérapie néo-adjuvante dans le cancer du côlon, c'est un concept qui est très intéressant. Donc, d'une part, ça n'a pas altéré les chances de résicabilité du patient. Donc, ça n'a pas... la tumeur n'a pas progressé après une chimiothérapie pré-opératoire. Au contraire, donc, ça a amélioré la résicabilité de la tumeur et ça a permis donc, d'éviter un certain nombre de récidives à 2 ans. Donc, toujours en quête de faire mieux, comment on peut faire mieux pour mieux sélectionner les patients qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement adjuvant? Donc, à côté du statut MSI qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est aussi valable pour les stades 2 que pour les stades 3. Donc, une tumeur avec un statut MSI en situation localisée, c'est une tumeur qui est de bon pronostic. Mais si on décide de faire une chimiothérapie adjuvante parce qu'il y a d'autres facteurs de mauvais pronostic, on part plutôt pour une chimiothérapie combinée. Pourquoi ? Parce que les tumeurs avec un statut MSI, ce sont des tumeurs qui peuvent être résistantes à une monochimiothérapie par 5-FU. Donc, à côté du statut MSI, les autres altérations, donc les autres mutations, notamment la mutation RAS, la mutation BRAF, ce sont des mutations donc, qui ont un intérêt prédictif en situation métastatique. Malheureusement, en situation localisée, ils n'ont pas d'intérêt pour orienter tel ou tel traitement. Donc, leur intérêt est principalement pronostique, mais ils ne permettent pas donc, d'orienter le traitement. Et puis, on arrive à la question de la localisation côlon gauche versus côlon droit. Donc, on sait qu'en situation métastatique, les cancers du côlon droit, ils sont de plus mauvais pronostics que les cancers du côlon gauche. Mais donc, en situation localisée, il apparaît qu'il n'y a pas de différence, que la latéralité n'est pas un facteur pronostique et que, donc, comme on voit ici sur la courbe de survie sans récidive, donc là, la différence sur la courbe de survie globale, donc... Elle intègre les patients donc, qui ont récidivé, donc qui ont une rechute soit locale, soit métastatique. Et donc, les rechutes, bien sûr, après rechute, les rechutes du cancer du côlon sont de plus mauvais pronostics que les rechutes du cancer du côlon gauche, donc ce qui peut expliquer la différence en survie. Et puis, dans l'étude qui a étudié la Foxtrot, donc qui a étudié la chimiothérapie néo-adjuvante, donc il apparaît que les tumeurs du côlon droit bénéficient un peu mieux
de la chimiothérapie néoadjuvante que les tumeurs du côlon gauche. Donc, la question de la latéralité en situation non métastatique donc reste encore à confirmer et reste encore à étudier en tant que facteur pronostique. Et puis, on termine sur une note d'espoir. Donc, le vrai espoir donc, provient de la biopsie liquide ou bien la recherche de l'ADN tumoral circulant en post-opératoire parce qu'il paraît être un facteur pronostique majeur donc, chez des patients qui ont la persistance, donc chez qui on trouve de l'ADN tumoral circulant sur des prélèvements de sang après la chirurgie. Donc, ce sont des patients qui vont avoir un pronostic très péjoratif, même s'ils ont des toutes petites tumeurs. Et donc, ce sont des patients qu'on devra sélectionner pour pouvoir leur proposer un traitement adjuvant très rapidement pour espérer d'améliorer leur pronostic. Donc, voilà. L'immunoscore aussi, donc c'est l'étude de l'invasion lymphocytaire. Donc, il peut être intéressant. Il est en cours de confirmation pour pouvoir être utilisé en pratique quotidienne comme un marqueur pronostique. Et voilà, donc pour conclure, dans les recommandations de l'ESMO de cette année, ils ont mis à jour également donc, le schéma de surveillance, donc qui paraît un peu plus allégé. Ils recommandent de faire principalement un dosage des marqueurs donc, de l'ACE et un scanner, donc TAP, tous les 6 à 12 mois pendant les 3 premières années, et puis bien sûr espacer la surveillance au-delà de 5 ans. Et sur ce, je vous remercie. Merci, professeur Bulbaraka, pour votre présentation très pertinente. Et maintenant, je passe la parole s'il y a des questions, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions en matière de traitement adjuvant ou néoadjuvant en matière de cancer du côlon? Vous pouvez poser une question? Quel est le risque de perforation tumorale lorsque vous faites de la chimiothérapie préopératoire? En fait, sur les données de l'étude Foxtrot que j'ai vue, l'étude n'est pas encore publiée, donc on n'a pas tous les détails. Mais sur les données de cette étude-là, donc, au contraire, il n'y avait pas plus de risque de perforation. Non. Donc, je comprends très bien qu'il n'y ait pas de perte de chance. R2 pour... entre que dans le bras sans chimiothérapie. Oui, excusez-moi, je comprends très bien qu'il n'y ait pas de perte de chance pour le patient, mais bon, globalement, il doit y avoir un risque hémorragique et un risque de perforation. Ou alors, vous utilisez une chimiothérapie qui n'est pas très agressive. Je dois vous avouer que je ne suis pas un spécialiste de la chimiothérapie, mais on a déjà, nous, commencer par des chimiothérapies assez agressives, et je ne vais pas vous donner le détail parce que honnêtement je ne connais pas, mais on a eu pas mal de cas d'hémorragie massive, voire de perforation, sur des chimiothérapies préopératoires pour le côlon droit. Hein. Le schéma utilisé, c'était du FOLFOX, et comme l'étude n'a pas été encore publiée, donc tout ce qu'on a, c'est les présentations des congrès. Sur les présentations de congrès, il n'y avait pas plus de complications post-opératoires ou péro-opératoires que dans le bras sans... C'est ça, mais c'est du FOLFOX simple, il ne rajoute pas les... Oui, c'est du FOLFOX simple, non, ce n'est pas du FOLFOXIRIN ni... C'est ça. Donc, c'est globalement une chimiothérapie, entre guillemets, like... douce. Oui. Si une chimiothérapie peut être douce. Si vous permettez, Philippe, oui. C'est que les travaux qui ont ouvert cette brèche dans l'espoir de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est le Foxtrot, c'est le Danish Trial et c'est le Prodige 20, je pense 20 ou 22. Prodige 22. Et qui avait montré qu'il n'y a pas de risque prohibitif d'occlusion parce qu'on pensait à l'occlusion. Ah non, l'occlusion, non. Mais, les perforations, mais... et n'ont pas rapporté de perforations ou de complications de tumeurs sous traitement. Par contre, ils ont montré qu'il y a plus de R0, qu'il y a le downstaging tumoral et la régression tumorale. Ça, c'est là où il y a vraiment le PET important. Oui, mais ils ne mettent pas dans leur... dans leur chimio, là, comment on appelle ça, ces anti-angiogéniques. Les anti-angiogéniques, non, pas d'anti-angiogéniques.
Ils ne mettent pas d'anti-angiogénique parce que non, ça, c'est toxique quand même, non? Non, pas d'anti-angiogénique. Même les bras qui ont étudié avec le panitumumab ou le cetuximab, qui est un anti-EGFR, donc on n'a pas les résultats de ces bras en particulier, mais on ne rapporte pas plus d'efficacité qu'avec une chimiothérapie simple. D'accord, d'accord. Ce qu'on fait pour le rectum maintenant, où on ne les opère plus qu'au bout de 6 semaines, c'est le Prodige 23, ça? Non, Prodige 23, c'est pour le côlon. Pour le rectum, on fait donc une chimiothérapie plus intensive. On fait une tri-chimiothérapie, donc par du folfoxiri, suivi d'une radiothérapie. Oui, c'est ça, mais protocole s'appelle comment? Prodige? Je crois le 23, je ne sais pas, je vais vérifier. Non, mais ce n'est pas grave, parce que bon, c'est ce que me sortent mes oncologues, Prodige 23. Je dis, ah bon, très bien. Bon, si vous me le dites. Et une question ici, docteur Chemini. Merci, Oussef. Alors, ma question concerne la chimiothérapie adjuvante. Est-ce que l'occlusion à elle seule, en dehors d'autres facteurs de mauvais pronostic, est-ce qu'à elle seule est une indication de chimiothérapie adjuvante? En fait, on revient actuellement sur l'occlusion. On parle plutôt de perforation de la tumeur. Non, de perforation. Voilà. Donc, la perforation à elle seule, oui, c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc, si elle est associée à un T4, donc si on est dans un stade 2B et qu'on a une perforation tumorale, oui, là, clairement, il faut faire une chimiothérapie adjuvante, même si la tumeur, elle est émessie. Par contre, si on a la perforation sur une tumeur de T3, donc là, il faut chercher d'autres. Donc là, on est dans un risque intermédiaire. Donc, il faut chercher un autre facteur de mauvais pronostic. C'est-à-dire l'occlusion en dehors de perforation, il n'y a pas d'indication? Non, pas comme avant. Avant, c'était l'occlusion tumorale ou le fait que le patient soit opéré dans le cadre d'urgence qui était donc sorti comme facteur de mauvais pronostic. Mais là, dans les nouvelles recommandations, non, c'est la perforation tumorale. Donc, je confirme, un T3 en occlusion, N0, chez nous, ils n'ont pas de chimio. Non. Par contre, perforé, oui. Alors, maintenant, je pense qu'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je voudrais à mon tour remercier tous les orateurs qui ont enrichi notre webinaire par leur présentation. Et je passe la parole à Dr Kharoub, peut-être, qui veut donner... Oui, Dr Kharoub là. Bonsoir. Donc, au nom de la Société marocaine de chirurgie digestive et la Société marocaine de chirurgie, je voudrais remercier les participants, les présents, les intervenants des différentes villes. Bien sûr, remercier Philippe, qui est un habitué de nos webinaires. Non, c'est le premier, mais je suppose que ça ne sera pas le dernier. De nos webinaires, de nos réunions, de nos rencontres, plus que ça. Hein. Webinaires, j'espère que ces webinaires vont terminer bientôt et qu'on pourra se revoir dans une situation normale au cours des congrès normaux. Et si tu es vacciné, bien sûr, pour venir au Maroc, hein, parce que tu peux pas venir. Je suis vacciné, je pourrais embrasser Karima sans que tu aies le moindre, la moindre inquiétude. C'est qui cela? Je ne connais pas. Bon, laisse tomber. En attendant, je voudrais annoncer à ceux qui ont pris le train en marche que les sociétés marocaines de chirurgie digestive et de sociétés de chirurgie vont continuer à faire des webinaires, notamment sur les pâtes biliaires, la paroi, la bariatrique, le pancréas et le rectum, en attendant que la situation devienne normale et qu'on puisse nous rencontrer. Donc, je remercie tout le monde et à bientôt. Je tiens aussi à remercier Stérifil qui nous a toujours accompagnés et qui nous accompagne aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Je peux vous faire une petite suggestion. Vous devriez faire les réunions un peu plus tard. Allô? Que 17h? Parce que 17h, parfois c'est un peu court pour les gens qui travaillent. Bon, maintenant, il n'y a plus de décalage, par exemple, entre la Belgique et le Maroc. Ça, c'est une première chose. Mais, enfin bon, faites comme vous voulez, mais je pense que
commencer les webinaires à 18h, ça, vous auriez probablement plus de succès et plus de personnes qui vont regarder. Le futur, Inch'Allah, on va les faire quand le couvre-feu le permettra, parce qu'on a aujourd'hui le couvre-feu au Maroc. Tout ferme à 20h. Oui, mais... Il nous reste maintenant une heure pour rentrer, pour se dépêcher à rentrer chez soi. Oui, mais vous qui êtes médecin, ça n'a pas, vous n'êtes pas limité par le couvre-feu. C'est l'hôtel, puisqu'on fait ça dans une plateforme d'hôtel. Et donc, l'hôtel, il est tenu à respecter le couvre-feu. Bon, j'espère que dans un mois, la prochaine réunion, on n'aura plus de couvre-feu et donc on la fera. On va essayer de diminuer un peu de tard. Je m'excuse, mais je me permets simplement de vous dire ça parce que vous l'avez vu aujourd'hui, pour moi, ça a déjà été un peu court. Si, par exemple, pour les prochains webinaires, vous demandez la collaboration d'autres amis belges qui participeront bien volontiers, 17h pour eux, pour nous, d'un point de vue professionnel, c'est un peu court, quoi. On a du mal de se connecter à 17h, quoi. C'est simplement ça que je voulais vous dire. Maintenant, faites pour un mieux, bien sûr. Ok, merci tout le monde. À la prochaine.